Hi guys, welcome back. It's still Truthman from Overclocking TV, and we are at the HWBOT World Tour Europe. I have right here with me Jean-Baptiste. He's actually the winner of the World Series for Amateur. Everything that we're going to say is going to be in French, of course, because we are in France. Don't forget, guys, I know there's some French people watching from Cocotland and Clan Ossé, so don't hesitate, switch and launch your questions. For all the guys that are English-speaking, stay tuned because we can talk about that and translate a little bit about what we were actually discussing for that. That's going to last for like 10 minutes and then we can do that in English. So now it's the French part. Hey, salut à tous, on va faire les 10 minutes qui vont suivre en français. Ici on a Jean-Baptiste qui vient de gagner le World Series pour amateur. Salut Jean-Baptiste, ça va? Bonjour, ouais, ça va, ouais, parfaitement. Je vais te poser quelques questions, mais c'est plus une discussion qu'on va avoir. N'hésite pas à parler fort, puis parler dans le micro s'il y a quand même du bruit autour. Bonjour Jean-Baptiste, mais tu viens d'où? Je suis originaire de Poitiers, donc de la région. Ah, t'es un local? Ouais. Parfait, parfait. Pourquoi t'as la Gamers Assembly? Tout simplement car j'aime l'informatique et je suis en pleine étude dedans, donc ça m'intéresse. C'est cool, est-ce que tu étais là en tant que joueur ou juste en tant que visiteur? Joueur libre ou... Non, okay. Seulement en tant que visiteur. Ok, c'est cool. Première pseudo-question, c'est pas vraiment une question là, mais t'es passé sur le stand, tu t'as fait « Hey, ça a l'air cool, pourquoi pas ?» Oui, déjà, parce que bon, j'ai un processeur que je peux overclocker, mais je ne savais pas comment le faire, donc j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre à le faire. Et est-ce que t'avais vraiment aucune notion avant? Aucune. Ok, tu savais vraiment pas ce qui se passait? Vraiment rien. Je savais ce qui pouvait arriver, je ne sais pas comment le faire. Fait que t'avais entendu parler de l'overclocking, mais t'avais jamais essayé. Voilà, jamais essayé. Et là, on est quelques heures plus tard et tu viens de gagner ta première compétition. C'est ça. C'est quand même cool. Plutôt. C'est quoi le feeling que t'as eu quand t'as gagné tout à l'heure? J'étais content surtout. Je me suis dit, je peux pas le décrire réellement. Vous êtes pour une première fois, je me dis c'est bien. Voilà, je peux pas le décrire. T'as déjà participé à d'autres compétitions avant? C'est vraiment la première compétition, toute catégorie confondue que tu fais? Si, tout à l'heure j'ai participé à une compétition de jeux vidéo. T'as gagné? Pas trop, non. Oui. Je suis allé jusqu'à la finale, mais j'ai pas gagné. Ah ouais, quand même. Ça se débrouille pas mal. On avait pas mal de personnes qui étaient là sur des équipes françaises, etc. Dont certaines qui sont aussi là pour faire de l'overclocking extrême. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas utiliser de l'azote liquide? C'est peut-être un petit peu de l'azote liquide pour le moment, j'en sais rien. Peut-être un jour, mais pour le moment, j'en sais rien du tout. Après, ça pourrait être intéressant. Il y a. On va te mettre en grand écran, comme ça les gens vont pouvoir te voir. T'es local? T'étais venu en visiteur? Oui. T'as participé à une compétition, tu savais pas si c'était que l'overclocking? C'était quoi le moment le plus important pour toi que t'as eu dans la journée? Tu sais, quand on t'a dit « Hey, c'est comme ça qu'il faut faire » ou c'est quand t'as commencé à vraiment bencher et faire ton premier score? Vraiment à bencher, je pense. Quand t'étais sur la machine tout seul, puis t'as pu faire tes... Voilà, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment passé le cap supérieur. Tu te souviens des paramètres que t'as changé pour augmenter celui que t'as donné le plus de mal à manœuvrer? C'est quand je suis allé dans les 5 GHz, là, c'est vraiment, ça s'est joué au millième, ça s'est joué à très peu de choses. Pas grand chose. C'est vraiment très dur. C'est vrai que vous avez de la chance, vous avez vu un des systèmes qui prenait 5 GHz en air, puis c'est pas si courant que ça pour être franc. Là, à Montréal, on n'a aucun qui a dépassé 4.5 de toute façon. Il y a eu un 4.6 pendant la finale, puis ça s'est arrêté là. Vous êtes quand même assez des gros bourrins sur les tensions, faut dire ce qui est. Au niveau de la température, enfin, 100 degrés Celsius, là, il nous affichait. Après, on était peut-être encore au-dessus, j'en sais rien. À chaque fois que vous arrivez, en fait, ce qui s'est passé, c'est à chaque fois que vous arrivez à 100 degrés, le processeur il se ralentit un peu. C'est pour ça que vous êtes pas, tu voyais, genre 4.7, 4.8, puis il redescendait à 4.6, puis il remontait après. Mais sur le total de calcul du benchmark, vous avez quand même tous réussi à avoir des meilleurs scores à ce niveau-là. Ouais. Malgré une méthode un peu bourrin, un peu barbare. Ce que tu as gagné, c'est un CPU, une table de bench, une Alim, un SSD. Ouais. Il te reste plus qu'à t'acheter une carte mère et de la RAM, puis voilà, tu vas pouvoir bencher. Ah bah ouais, dans la semaine qui va suivre, je pense. C'est cool ça. Est-ce que tu comptes te remplacer ton ordinateur que tu as ou juste rajouter un ordi à côté puis juste t'amuser avec? Je pense que je vais le rajouter à côté parce que là, l'ordinateur que j'ai actuellement est bien plus puissant, il est un peu plus gaming. Bon, je vais peut-être mettre le SSD dans le fixe du coup.
Après, je vais voir pour acheter un SSD pour mettre avec la planche à bench. Parfait. T'as vu, les tables de bench, elles sont quand même assez grosses et quand même assez intéressantes. Ouais. Ça va prendre de la place sur un bureau? Alors, sur un bureau, il n'y a pas de place déjà. Ah, il y a déjà le PC, hein, mais je pense que dans le. Ah, peut-être pas dans le salon, peut-être dans le bureau un peu plus loin, je pense que ça pourrait. Ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu penses que tu vas dire quoi à ta famille ou... Bon, déjà, ils sont pas là en ce moment, ils sont à la montagne en train de skier. Enfin, ils sont pas au courant là, ils sont pas au courant que tu as gagné. Ah, si, ils sont au courant là, okay. Ils sont plutôt contents, ils ont dit que c'était bien. Après, ils ont pas forcément compris exactement tout ce qui se passait. Bah, disons qu'ils savent pas forcément ce que c'est déjà. Déjà, ils savaient même pas ce que c'était que l'overclocking. Ensuite, quand ils vont voir la plateforme, je crois qu'ils vont avoir une petite surprise. Ils vont se demander où est-ce qu'on va mettre ça. C'est ah, encore un ordinateur. Ouais, ça va être ça surtout. Parfait. Ouais, j'avais les mêmes chez moi avant. on a tous vécu ça. Hey, comment t'as trouvé l'accueil ici, le fait d'arriver? Est-ce que tu pensais que c'était assez facile? Même si tu connaissais rien, tu t'es senti quand même impliqué dans ce qu'il y avait? Déjà très à l'aise. Une ambiance plutôt cool, conviviale. Le personnel encadrant était sympathique. Ouais, tous les bénévoles, hein, plus ou moins, il y en a juste 3 staffs. C'était vraiment très sympathique là. C'était même, j'hésiterais pas à le refaire. N'hésiterais pas à le refaire? Voir demain même. Parfait, on risque de te revoir demain alors. Ouais. On verra les systèmes qu'on aura, mais de toute façon demain on va faire plus du question-réponse. Question-réponse, pas vraiment de question-réponse, là, c'est de la discussion ouverte sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, les gars avec l'azote, qu'est-ce qui se passe dans la GR en général. Et puis on va pouvoir parler de ça toute la journée. Hey, c'est cool, merci d'être passé, j'espère que tu vas avoir du fun. Bah, de rien, oui, c'est à moi de vous remercier surtout pour cette petite prestation. Le principal, c'est que tu as eu du fun. Faut pas oublier l'overclocking, il y en a qui font ça à un niveau de compétition assez intense. L'important, c'est quand même d'avoir du fun. La plupart, ils sont là, ils ont du fun. Il y en a certains, ça fait partie de leur travail, mais la plupart, on est là pour avoir du fun. Le plus important, c'est pas de taper forcément les plus gros scores, c'est toujours de taper ce que tu peux le mieux avec ce que tu as. Voilà, c'est ça. Tu te souviens qui t'a entraîné aujourd'hui? Sur le workshop? Je saurais vous dire. Avec la barbichette. Ah, c'était Timothée. Ouais. Ok, fait que tu t'es fait entraîner par Axiala. Hey, t'as eu de la chance. C'est pas forcément un des meilleurs pour entraîner les gens. Hein. Ah oui? C'est mon coéquipier. Je peux dire ce que je veux dire, ça va passer tout seul. Merci beaucoup Jean-Baptiste. De rien. J'espère que tu vas pouvoir faire bon usage de tout ce matos-là. Oui, tu vas pouvoir soumettre tes scores sur HWBot. Je n'hésiterai pas là. Peut-être dans un mois, j'irai regarder si tu as soumis des nouveaux scores juste pour voir si tu as fait mieux que tes 5 GHz. Ouais. Si tu mets la console, la config devant la fenêtre, ouvre la fenêtre, tu souffles dessus. C'est ça. Et puis pour le water cooling, on va mettre ça dans la douche. Après là, je prendrai pas la décision pour toi. Non, là de toute façon, ça je le ferai pas. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Hein. Ciao. Merci encore. Bienvenue. Au revoir.